J'ai volé à la Fnac pour Frigiel. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je m'explique. J'étais à la Fnac un jour, je me baladais et j'ai vu une BD de Frigiel. Mais en voyant l'étiquette, je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas trop. C'est que l'étiquette c'était écrit Friogel et Fluffy. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, j'ai mis la photo sur Twitter et Frigiel lui-même a répondu. Il a dit une honte, un tel monument dans le monde de la littérature mérite un peu plus de respect quand même. Et franchement, c'est vrai. Hein. Et du coup, j'ai eu une idée. Une semaine après, c'était les Geek Days à Rennes, une convention avec plein de youtubeurs et des mangas et tout ça. Des youtubeurs dont Frigiel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé l'étiquette à la Fnac. Et ensuite, les Geek Days arrivent et je vais voir Frigiel. Pour ça, j'y vais à 6h du mat pour être sûr d'être la première personne qui va voir. Et puis ça marche, je suis tout au bout de la file d'attente et à un moment, Frigiel arrive, je prends une petite photo avec lui, là, je sors l'étiquette de ma poche, je lui tends et il dit « Mais vous l'avez volé ?» Et moi, je réponds fièrement « Bah oui !» Du coup, bien sûr, je lui demande de la corriger et je retourne à la Fnac pour la redéposer. Et maintenant, trône la belle étiquette, corrigée par Frigiel lui-même. Ça explique pourquoi